Bon, on est super content que vous soyez avec nous sur le plateau. Vraiment, bienvenue dans le Gulive. Tout d'abord, donc Sardou et nous, c'est donc... C'est quoi ce disque? Ça veut dire quoi? C'est des reprises de Michel Sardou. C'est ça. Mais on trouve quel titre? Tourne la pochette, vas-y, jolie. Et alors, en chantant Rouge, Je viens du Sud. Bah, dites-nous vos solos, par exemple, respectifs. Ah bah, moi, c'est Rouge. Rouge. Le France. Le France. Moi, Je viens du Sud. La Java de Broadway. N'hésite pas à parler dans ton micro quand tu réponds. La Java de Broadway. Ok, donc l'idée, c'est de prendre les titres de Michel Sardou. D'accord. Et d'en faire chanter, de les faire chanter par des jeunes talents, en fait. C'était ça, l'histoire? C'est ça. Et ben, vous savez quoi? Vous allez me le dire. Parce que là, OK, quand je vous dis c'est quoi Sardou et nous, okay, vous allez juste me dire ça, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce disque, Sardou et nous, Nemo? Bah, c'est tous les jeunes talents qui reprennent un peu ce répertoire de Michel Sardou pour le remettre au goût du jour, entre guillemets, et le faire découvrir aux plus jeunes. Et pourquoi vous avez dit oui, Lou? Pourquoi ce projet vous a intéressé? Bah déjà parce que Michel Sardou, c'est vraiment un grand nom dans le monde de la musique. Il a fait des chansons vraiment super belles, les textes sont magnifiques. Et par exemple, la chanson que je chante, Je viens du Sud, elle me correspond parfaitement. Vas-y, attends, je te vois venir, Gwenda. Non, mais on est en phase. Neurones connectés aujourd'hui. Je viens du Sud. Je viens du Sud. Et oui, parce que tu viens du Sud. Et ça donne quoi, a cappella, Je viens du Sud? T'as vu le petit truc ou pas? C'est Lou. Lou, à chaque fois, nous fait le coup. Alors, Crinière de Lyon. Alors, ça fait quoi? Je vous chante quel moment? Ah bah, ce que tu veux. Celui que tu veux, celui que tu préfères. Vas-y. Je viens du Sud. Je viens du Sud. Et par tous les chemins, j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Encore. Quoi? Attends, la suite. Attends, elle l'avait là, on l'a. Vas-y. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. T'as des cheveux qui se. Bravo! Ok, bah Dylan! Ouais, Dylan, alors. Est-ce que c'était quelqu'un que t'écoutais, Michel Sardou, quand t'étais petit? Tu l'avais dans ton iPod, dans ton MP3? Dis la vérité. Alors, non. Pas du tout. Mais en fait, c'est la génération. Mais oui! Bah d'avant! C'est les parents et grands-parents. Mais ce qui est cool, c'est que là, vous faites danser quand même des jeunes de votre âge, justement. Ouais. C'est le but? Bah ouais, tout à fait. Alors toi, Nemo, toi, t'as juste en chantant? Non, en chantant Le France et Je vole. Vas-y, Le France, ça donne quoi? Ok. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Oh, mais bon, alors. Ok, on est sur du talent, c'est comme ça, plaisir. C'est a cappella. On se fait plaisir, on enchaîne. Attends, tu nous parlais de Je vole. Il y a Louane qui a repris cette chanson aussi. Ouais. Est-ce que vous avez aimé sa version? Vous avez vu un peu la famille Bélier? Vous en êtes inspiré? Bah, c'est un peu Louane, c'est un peu celle qui a fait redécouvrir Sardou. Ouais. En tout cas, nous, je pense pour moi, Je vole, c'était la première fois que j'entendais ça. Après ça, je l'ai chanté en concours. Mais c'est vrai en plus, ouais. Ouais. Voilà, oui, carrément, on s'est inspiré de ce qu'elle en a fait. Et après, bah, on est parti sur ce concept c'est de remettre au goût du jour. Ah, c'est vrai que c'est complètement. Ouais. Angie. Angie, c'est moi. Ouais, Angie, toi, tu chantes quoi dans ce... Moi, je chante Rouge. Rouge, vas-y. Rouge comme un soleil couchant de Méditerranée. Rouge comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Rouge. Trop frustrant. Non, mais Idan, ça, on va tout avoir. Si, moi, je vais tout donner. Attends, je vais tout donner. Toi, Dylan, tu chantes quoi? Alors, je chante la Java de Broadway. Ah, j'adore. Ça tue. Ok, tout le monde debout. Allez, tout le monde debout. Allez, mettez-vous debout. Eh, vas-y, mets-toi debout aussi. Attention, c'est chaud. Attention, à cappella, ça donne. 3, 2, 1, top. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vraie. La Java de Broadway. Excusez-moi, mais c'est celle qui me plaît. Ouais, j'adore. Mais c'est ça fait du bien. Sardou et nous, c'est prêt. Michel Sardou, revu et visité, et c'est magnifique. Bon, alors attends, la vraie question. Ah bah parce que là, non, mais la vraie question, il est comment, Michel Sardou? Vous l'avez rencontré, il est gentil. On a chanté avec lui. Vous avez chanté avec lui. Alors, il est comment, Michel?
trop drôle. Vraiment trop il drôle. Est vraiment drôle. Il est vraiment ouais. Ouais. J'adore. Pourtant, ouais. Quand on le voit arriver, on ne dit pas d'un coup qu'il est non, drôle. Non, c'est vrai, il a une réputation d'être comme ça, mais moi, je l'ai trouvé super. Ouais. Sérieux ? Il était ouais. Vraiment touchant, genre vraiment, moi, je l'ai trop aimé dès que je l'ai vu arriver. Ben, en fait, on avait l'impression d'être un peu ses petits-enfants. Ouais. Bon, alors, les petits choux. Mais c'est qui, mes petits chouchous ? Bon, allez, on trêve de plaisanterie, nous allons passer aux choses sérieuses. Ce jeu que vous allez adorer, le qui est le plus, tout simplement, nous allons voir si vous vous connaissez bien. Concept d'une troupe. Donc voici une ardoise chacun. Rose pour les filles, jaune pour les garçons. Et en fait, on va vous poser des questions. Qui est le plus beau, qui est le plus sympa, qui est le plus papapa. Et vous devez écrire vos réponses tout simplement. Et ça commence maintenant avec cette première question. Qui est le plus gourmand? Allez, écrivez. Bon, vous avez le droit d'écrire Gwendal. Je vous l'accorde. Oh non, Gwendal, moi je trouve de moins en moins gourmand. Non mais c'est vrai. Hein. Alors ça, alors, c'est le attends, t'as vu, ça copie pas et tout. Ok. On s'écrit pas soi-même. Tu peux t'écrire toi-même si c'est toi. Attends, si tu estimes être le plus gourmand de la troupe, t'y vas. Hein. Allez, attention. 1, 2, 3, on retourne. Lou, Lou, Lou. Bon, on est quand même sur une majorité de Lou. Lou, t'adores manger. J'adore la nourriture. Mais ton péché mignon gustatif préféré? Alors, c'est très bizarre parce que j'en ai deux totalement différents. Déjà, j'adore les hamburgers. Ouais. J'adore le melon jambon. Le melon c'est bon, jambon, mais oui, on vient du sud. Plus que du sud. Bah ouais. Vous connaissez pas? Bah bien sûr qu'on connaît. Le melon d'Avignon. Bon, le hamburger, c'est bon, mais attention, n'en abusez pas. Mangez et bougez.com. Ça, c'est fait. .fr. Ça me fait plaisir. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Voilà, exactement. Et dès que vous vous levez, vous bougez, vous bougez, vous bougez, vous bougez. Et après, vous mangez des hamburgers. Mais vous bougez, vous bougez, vous bougez, vous bougez. Après, vous mettez le melon. Bon, ok. Ok, vous effacez. La prochaine question, qui est le plus rigolo? Ou la plus rigolote. Voilà, c'est ça. Celle qui fait le plus de blagues. Celle qui ricane. Celle qui s'amuse celle de tout. Celle qui fait des blagounettes. Les petites blagounettes. Ça réfléchit, ça réfléchit. Vous êtes prêts? Allez, attention. Lou. Alors. Lou, elle s'applique. Elle fait des cœurs à chaque mais fois. Mais j'arrive pas à bien écrire. Bon, ça arrive. C'est ça, l'école. Ça sert à ça aussi. Ça me fait plaisir, ces cadeaux. Allez, attention. 1, 2, 3, on retourne. Nemo, NJ. Ah bon. Les deux, quoi. Nemo, il vous fait rire. En enregistrement. Mais est-ce qu'il fait des blagounettes? Oui, pas forcément des blagounettes. Je suis un peu le fanfaron. Non, c'est qu'il le fanfaron. Je m'amuse. Mais quel genre? Moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'imaginer. Quel genre de blague il peut faire? Quel genre de fanfaronnade? Est-ce que je fais des blagues? Non, mais juste, je mets un peu l'ambiance. Il a de la répartie. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Bah écoute, merci. Ça me touche. Vous le savez peut-être pas, mais à quel moment il vous a fait le plus rire? Une anecdote? Un truc qui vous a fait vraiment marrer? Un truc où franchement. Vous êtes fait des bars avec lui? Bah, c'était souvent. C'était souvent, d'accord, ça s'est fait, j'adore, ouais. J'adore. Non, mais attends, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, Lou? Moi, je veux que vous réfléchissiez. Bon, il a déjà un nom marrant à la base. Nemo, ouais. Tu vois? Ça, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas le charger sur le poisson clown, faut pas faire ça. Donc, j'aurais pas une petite anecdote? Un truc de concert, un moment, un truc? Moi, j'ai tout mon temps, hein, les gars. T'as raconté quelque chose, toi aussi? Non, mais. Je vous laisse. Bah, ouais, je vous laisse, c'est vous qui avez écrit, hein. C'est quoi ta phrase là? C'est toi le. Hein? Je sais pas, t'as une phrase que tu dis tout le temps. Un peu déçu, je reviendrai pas. Ah oui. Non, il y a autre chose. Bah oui, voilà, en fait, l'autre jour, j'ai demandé s'il y avait du flan, il m'a dit c'est toi le flan. Voilà, mais ça, le c'est truc, sympa. C'est qu'à chaque fois qu'on dit un mot, il reprend et on dit c'est toi le. Voilà. Ça, c'est rigolo, on c'est peut l'applaudir, les copains, bravo, ça, j'adore. Ben alors, oui, mais il n'est pas tout lâché aussi. Qui est le plus lent à se réveiller? Ça, généralement, c'est très facile. Si c'était entre nous deux, franchement, ce serait toi. Et moi, je sais pas trop, hein. Alors, attention. 1, 2, 3. Lou, Nemo, moi. Moi, Lou, Nemo. Il y a une battle. Ouais, là, en fait, on se rend compte qu'ils se lèvent jamais. Donc, vous n'aimez pas le réveil, quoi. Ouais. Vous avez toujours les yeux qui piquent. Tu sais quel jour, en fait? Ouais. Il y a des jours où t'as vraiment envie de te les réveiller parce qu'il s'est passé plein de trucs et tout. Et il y a des jours où tu vas tout simplement en cours et t'as pas envie d'y aller. Genre ce matin, vous étiez content de vous lever? Oui. Carrément. Parce que vous veniez où? Sur Gulag. Merci, ouais. Ça fait plaisir. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Sincérité. Ok. Qui est-ce qui est le plus désordonné? Oh, moi, je parie. Moi, je parie. Moi, je te dis à mon avis qui c'est. J'ai vu. Non. Ah, tu m'as bien vu. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Allez, attention, on retourne à 1, 2, 3, top. Lou. Ah, bah, c'est ok. Mais Lou, t'es quand même sur pas mal de réponses. Je suis vraiment tête en l'air, en fait. Hein. Mais vraiment. J'oublie tout.
je range ma chambre que quand vraiment elle est très en bazar. Là, par exemple, en ce moment, elle est comment là? Elle est vraiment au bazar? Non, là, franchement, elle est plutôt bien rangée. Par rapport au studio du GULive. J'aimerais bien qu'on ait une photo, moi. C'est vrai. Là, si, là, j'adorerais qu'on nous envoie une photo justement de ta chambre, mais là, on l'a pas, malheureusement. Attention, qui est le plus amoureux en ce moment? Débrouillez-vous, hein. Moi, c'est ma question préférée. Vous avez 4 heures. Cadavre. Hein, ça va, sinon, la vie, toi? Ça va, écoute. Ouais, voilà, c'est tout. Et là, à chaque fois, t'as vu, à chaque fois qu'on dit le mot amoureux, derrière, ça fait... Oh, attention, faut venir. Comme une ambiance. Là, d'un coup, tout le monde écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui parle. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi? Mon Dieu, vous avez vu le mec que... Ah ouais. Il est quand même... Ok. Est-ce que Michel Sardou, il est marié? Oui, oui. 4 fois. Ouais, je crois qu'il est marié 4 fois. J'en sais rien. Allez, attention. 1, 2, 3, on retourne. Sardou, Joker, Lou, Sardou. Sardou, Sardou, Joker, Lou. Lou est amoureuse. Lou. Lou est amoureuse. Lou est amoureuse. Lui, c'est des choses. Ah oui, des choses qu'on aime. Wow. Allons-y, allons-y, les copains. Alors, du coup, qu'est-ce que vous savez? Mais en fait, Nemo, il savait pas qui m'aide, du coup, il m'a mis. Pas du tout, c'est que j'ai des vibes venant de toi qui me disent que... En fait, en même temps, dans son album, il y a le garçon du couloir. Donc, c'est qui ce garçon du couloir? Bonne question, bonne question. On vous laisse entre vous. Hein. Mais qui est-il? C'est personne. Le coup du Joker, c'était bien joué. Non, en tous les cas, Sardou. Bonne réponse, effectivement, puisque Sardou, il est marié, il est bien, bien dans sa vie et compagnie. Donc, forcément, c'est le plus amoureux de la bande. Question suivante. Moi, j'en ai une. Qui est le ou la plus maniaque? Oh. Tellement easy. Ah bon? Ben oui. Mais ça se voit en fait juste aux vêtements. Regarde bien. D'accord. Ah ouais? Bah oui. Je pense que c'est toi, moi. Non. Mais si. Non, pas lui. Mais limite, tu sais quoi? Il y a un poil de chat, il met la brosse. Mais c'est vrai? Allez, attention. 1, 2, 3, on retourne. Bim, 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 bim. Oh, tu vois, ah Nemo, ouais. Moi, NG. Ah, c'est entre NG et... On est quand même, on aime bien quand c'est carré et tout, Nemo. Moi, il y a un truc, tout est réglé au millimètre dans ma chambre. Combien de fois il me demande dans la journée si ses cheveux ils sont bien coiffés? Ah non, attends. Pas du tout, pas dans la journée. Tu fais un petit raccord coiffure, Nemo? Non, si on est sur des plateaux de télé ou sur un concert, je demande, ouais, est-ce que c'est bien? Mais pas dans la vie... Là, vous en pensez quoi de sa coupe, là? Ah, on est sûr, on demande ça? Non, mais on en parle. Ok, pas parlons. On t'a cogné avec les cheveux plus longs. Ouais. C'est sûr. Ça va. Vas-y, recoiffe-moi. Ouais, non, moi je trouve hyper beau gosse. T'es moi je trouve beau gosse. Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas? Ah, t'es bien. Et pourquoi Angie? Angie aussi, elle est plutôt du genre hyper ling ling ling. En fait, je change Nemo. Parce que je viens de me souvenir, genre, au clip de Enchantant, à chaque fois, il nous demandait est-ce que c'est bien? Est-ce que oui, je suis est-ce bien que vraiment, et tout. Vraiment. Mais non, mais c'est mignon parce que ça veut dire qu'il a pas non plus trop confiance en lui, tu vois. Mais c'est une injustice. Mais quand on est aussi beau gosse, on se pose même pas la question de savoir si on va prendre de feu. C'est ma faute. Tu vois, voilà, c'est tout.